Les refs, l'année 2024 commence très bien pour moi. On a passé le réveillon tous ensemble en famille dans un chalet de fou. Je vais vous le présenter parce que ça fait maintenant presque une semaine qu'on est là. Il est incroyable. Déjà, petit hall d'entrée, tranquillement. Ici, tu poses des petites affaires et tout. Les gars, dans le chalet, ça, c'est un truc de fou. On a un cuistot qui nous fait à manger. Oh, baba, quand on mange bien. Il y avait des vraies meules de fromage qu'on découpait comme ça. Oh, c'était trop beau. La cuisine. Dans laquelle on va pas puisque c'est le chef qui gère tout. Le double salon, il n'y a pas un canapé et une table basse. Il y a deux canapés, deux tables basses. Ça veut pas les gosses là. Il y a les petits qui geekent aussi. Mais laisse-moi dormir, zimbé. Il n'y a pas de télé dans le salon, mais tant mieux parce qu'au moins ça nous permet de se débrancher un petit peu, se déconnecter. C'est toujours cool. Le petit bar, ça c'est pas mal aussi pour le 31 les gars. C'était carré. Et du coup on va prendre l'ascenseur pour monter. Et vous allez voir cet ascenseur, j'ai jamais vu ça. C'est l'ascenseur qui fait le plus flipper que j'ai jamais vu. Jusque là honnêtement c'est magnifique. Tu dis ouais bon bah l'ascenseur est plutôt cool et tout. On fait quoi? Bah allez on appuie sur le plus 1. Wesh la dernière fois il marchait pas. Carrément il y a un téléphone, même ça c'est flippant. C'est en cas d'urgence. On est arrivé, premier étage. Bah là les gars c'est très simple hein. La visite va être très courte. C'est l'étage des chambres. Ça d'ailleurs tu te dis mais qu'est-ce que c'est derrière? C'est vraiment les portes des chambres. C'est magnifique. Sachez qu'on est tellement nombreux, il y a 6 chambres. Et en plus des 6 chambres, on a ici, il y avait un espace lecture bibliothèque. On en a fait un lit. Comme ça, il y a 2 personnes qui dorment ici. Ici, il y avait un bureau. On en a fait un lit. Genre vraiment, on a mis des jambes partout. On est 31, faut qu'on dorme à 31 dans le chalet. On va passer. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a ma chambre avec Elsa. Bon, ça fait une semaine qu'on est là. On est pardonné, non? Franchement, Elsa, t'es abusante. C'est une bordel de ouf. Hein. On passe au deuxième étage. Les gars, c'est mon petit étage coup de cœur parce que si j'avais été un enfant, j'aurais trop kiffé avoir ça. Ça fait vraiment une ambiance, un esprit colonie de vacances. J'aurais trop kiffé avoir ça quand j'étais petit. Et là, on passe au plus intéressant. Sauna. Mec, on a un sauna dans notre chalet. Non, le sauna est incroyable. À tout moment, les gosses, ils nous cassent les couilles. Je les enferme dedans. Derrière cette porte, je pense que c'est mon truc préféré du chalet. On a un homme cinéma. Frérot, si ça, c'est pas une dinguerie. Bon, c'est un homme cinéma, mi-chambre. C'est quand même la meilleure chambre. Tu mets la télé là, tu mets Netflix. C'est incroyable. Les petits, pareil, ils kiffent de fou. Les gars, ils se regardent des LAN trop en grand écran 8K HD. C'est trop grave. C'est pas terminé. Gamer Zone. La Gamer Zone, c'est quoi? Parce que oui, la seule vraie télé avec des consoles, elle est là, les gars. Il y a un petit endroit un petit peu cosy aussi pour 6-8 personnes. Ici, tu tapes tes meilleurs Mario Party. C'est trop bien. Nous, on a fait Just Dance aussi. Mm-hmm. Et tu m'as éclaté. Tu m'as éclaté sur une danse, mais ouais. Tu m'as éclaté sur la danse sexy. Il y a une danse Just Dance où il faut faire un peu des moves sexy et tout. Et bah voilà quoi. Tu vois, les gars, ça me connaît. Ce boule. J'ai amené Yuki au chalet. C'est la première fois que je la prends en vacances avec moi. Je suis trop content. Regardez-moi ça, l'extérieur du chalet. Oh là là là. Déjà à partir du moment où tu te réveilles et que t'as cette vue là, les gars, on a une terrasse qui donne sur le Mont Blanc. Qu'est-ce que tu veux de plus? Terrasse avec le jacuzzi. Jacuzzi, il n'y a rien de mieux que de faire un jacuzzi quand il fait bien froid en hiver. Sachez que nous là, c'est incroyable. Malheureusement, les vacances arrivent déjà bientôt à la fin. On a passé une semaine avec toute la famille dans le chalet. Carrément, on s'est retrouvé à faire des loups-garous avec ma daronne qui de base ne connaît rien à ce genre de jeu. Elle était trop forte au loup-garou. Et je crois que je suis tombé amoureux de la montagne, les gars. Franchement, à la base, quand je suis arrivé, j'étais en mode, oh, c'est magnifique et tout. Je tombe amoureux de la montagne.